Bonjour tout le monde, je suis Genakarando, on va commencer le let's play sur Battlefront 2. C'est après un emmerdement pas possible avec la technique du jeu que je vais tenter de lancer la campagne. Et peut-être que cette vidéo ne verra jamais le jour parce que ça ne fonctionnera absolument pas. J'ai dû trifouiller toutes les options d'OBS parce que je sais pas ce qu'il me faisait. Alors, il y a un scénario dans Battlefront 2, ça c'est cool. Bon, apparemment c'est pas ouf, hein, mais j'avais envie d'un jeu d'action bien bourrin pour me libérer le cerveau parce qu'on sort de Limbo. Et Limbo fut compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas de la poussière sur la caméra? De la poussière. De toute façon, je suis pâle comme mon micro. Histoire principale. Battez-vous pour l'Empire en incarnant Iden Versio. Commandant de l'extraordinaire équipage des forces spéciales, l'escouade Inferno. Ouais. Jouez la campagne, commencez votre aventure. Difficulté de la campagne. Suivez sur le vaisseau et livrez des combats à la difficulté. Ouais. Oui, on s'en bat les couilles. Encore une fois, le kikimeter. Non, je m'en fiche, je vais pas mettre. Regardez, je fais le jeu en ultra hardcore parce que je suis un gamer. Ouais, bah je fais le jeu en fait. C'est voilà. J'aimerais faire rager un peu tout le monde et mettre le jeu en facile. Ouais. Je devrais faire ça. Par contre, les temps de chargement, ça va là? Ah oui, c'est vrai que ça peut être un problème ça aussi. Non, mais on n'y pense pas assez, les temps de chargement. Moi je sais que j'y pense pas assez. Pas trop. Ça, par contre, pour régler les temps de chargement, un petit SSD, ça passerait bien quand même. Mais me dire de dépenser dans un SSD là tout de suite pour des jeux, donc faudrait un truc genre 1 Tera pour se mettre bien. Bon, tu vas pas installer un ou deux jeux quoi, et puis mettons les jeux ils sont lourds. Ah, ça me parle. Oh, quoique, pas forcément non plus 1 Tera parce que. Du jeu vidéo, c'est bien gentil, mais pour remplir 1 teraoctet de jeux vidéo, faudrait installer beaucoup de jeux. Si le SSD est dédié uniquement à l'installation de jeux vidéo, ça me paraît quand même un peu beaucoup, 1 tera. Je sais pas. Après, 480, ça me paraît quand même vachement limité. Je sais pas, peut-être entre les deux. Oh, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Peut-être virer ma gueule, du coup, non, on va faire ça. Je croise les doigts pour pas que tout plante. L'indéfectible. Capitaine, oh merde. Elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Pourquoi la VF? Iden Versio. Escouade Inferno. Commandant Versio, vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en au fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas sombré avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. Ah.
VZ626. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID10. Tu es bien plus avancé que l'ID9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. L'analyse montre que cette ID10 a été modifiée à l'aide d'un aiguillon à électrochoc. Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, cette ID10 ne bougera pas. Laisse-moi travailler en paix, s'il te plaît. Bien compris. Je garderai le silence en attendant que vous ayez fini de détériorer cette unité tactique ID10. Bonjour. Attendez, mais faut... Ok. Oh. Pas moi. Wesh. Attends. Je peux pas électrochoc. Bonjour. Ouais, c'est dommage, hein. Ah, pack de munitions. Ils sont vachement Maxi Mouse quand même. Je me souviens, ils étaient plus petits dans Battlefront 2. C'est bizarre. Dans l'ancien Battlefront 2. Qu'est-ce que c'est? G. Oui. Je sais pas ce que je fais à jouer. Et tout d'un coup, ça devient point and click. Le pointé est cliqué. Pourquoi on fait ça là? Ok. Ouais, mais j'ai merdé. Parce qu'en fait, j'ai téléchargé plein de jeux. Et j'ai le téléchargé en français, je crois. Enfin, je crois, oui, donc certainement. Parce que vous pouvez constater que les dialogues sont en français. Peut-être. Peut-être. Oui, certainement. C'est prévu. Par contre, j'ai des petits coups de saccade. Il a beau être bien branlé, le Frostbite. On va se calmer quand même. Coucou. Tu sais qui est dans cette cellule, hein? Un calamar. Une vie à une vie impériale. Des forces spéciales. Oh, ça fait mal aux oreilles, leur truc là. Ouais, une impériale, tout ça. Non, tu m'as pas eu. Ouais. Je me rends pas compte le niveau des volumes sonores. Ah oui, mais c'est vrai que je peux régler maintenant. Ah oui, si, c'est beau quand même. J'hésite à jouer à la manette parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la souris, je vais vous faire mal à la tête. À bouger comme un. On a besoin de toute information qui gredin. Ouais, mais. Vous êtes trop loup là. Vous voulez pas vous en aller? Genre. Ah. La juge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence. Lorsqu'elle se met à clignoter, c'est l'alerte générale. Le commandement de la rebelle avant Endor, si possible. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Oh, le relou, quoi. Non, mais vous savez... Oh, goddammit. Il y a trop de rebelles devant ma cellule. Trouve autre chose. Oui, mais il y a la plaque à eau, mais... Toi es bien gentil, toi. Gentil, toi. Mucho. Mucho grande. Mucho grande. Pourquoi je sais pas, je... Bonjour. Ça fait mal aux oreilles, leur son, là, comme ça, là. Non, il y a que moi que ça dérange. Je sais pas si... Enculé. Je sais pas s'il y a que moi que ça dérange, mais en tout cas, ça me dérange. Ouf.
C'est dégueulasse ce bruit horrible. Les petites musiques de Star Wars, bien entendable. À la base, j'étais un grand fan de Star Wars, mais c'est vrai que. Le verrouillage, tu dois le désactiver depuis l'un de leurs terminaux. Ouais. Contacte-moi quand c'est fait. Alors, on en est où? Oui, ça. On est perdu. Oh, technicien. Ça tombe vachement bien parce que c'est vrai que quelque part, je suis un peu technicien, quoi. Je crois qu'on pourrait dire que je suis un petit peu technicien, quoi. J'ai pas tout de suite là. Non mais c'est prévu hein. Mais Ah non mais il est chiant là. Oh mais t'es relou toi. Ah d'accord. Ok. Bah j'ai pas trop compris ce qu'il a fait le bousin mais. Il a décidé de rentrer dans le décor, bah c'est. Moi ça m'arrange, ça me permet de passer, ça me permet de circuler, ça me permet de progresser, bien entendu. Moi je peux faire mon jeu comme ça tranquillement. Je t'entends à travers le conduit. Wesh. Ouais, peut-être, ouais. Je peux t'électrocuter, peut-être, je sais pas. Je 2 secondes. Je découvre les contrôles. Oh, attendez. Le timing est parfait. Allons-y. Timing est parfait. Mais arrêtez. Dirige vers le centre de communication. Merci. Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Pourquoi ils disent que le timing est parfait? Ils m'ont cul, hein. Eh, ça suffit. Tu ne sortiras qu'après l'opération d'Endor. Pour effectuer une élimination, d'accord. Bon, ça va pas être très... qui ça peut être? Je sais pas. À mon avis, ça va pas être très élaboré comme gameplay, on va pas se mentir. Choc de droïde. Choc élimine les ennemis lorsque la jauge est pleine. Bien utilisé, il peut également neutraliser les véhicules. La jauge se remplit quand Aiden inflige des dégâts aux ennemis et réalise des tirs en pleine tête ou des éliminations furtives. Non mais comment est-ce que t'expliques ça? Comment est-ce que t'expliques ça quoi? C'est un super pouvoir à ce niveau. Ça a pas de sens. C'est pas ouf hein. Oh c'est quoi cette gueule? Oh t'es moche. Ils vous faire prendre. Ils ne se doutent de rien. Alors décharge, on ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce travail, mieux vaut être discret. Je comprends, commandant. J'appelle l'indéfectible. Vous avez maintenant connaissance de la balise qui dirige les vaisseaux de l'Alliance vers le système. Toi, t'es mort. Avec cette ruse, nous détournons la. Et c'est pas de ma faute. Je pense toujours qu'on n'est pas au courant pour Celeste. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. C'est pour basculer de la vue à la troisième personne à la vue à la première version. Hein. Oh, je sais, je vais avoir des problèmes. J'ai besoin d'un piratage. Ouais, je peux essayer de piratage. C'est vrai que la vue troisième personne peut être pas mal. Ça y est, on met le cap sur... Mais si maman, si tu voyais. À quel point je suis un bolos. Mais le FPS, ça, c'est plus logique. Je suppute. J'hésite. On va peut-être passer FPS parce que bon, ça reste un...
Ça reste un FPS dans l'âme. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux pas me dire qu'il y a des trucs à récolter? Ça va m'énerver, ça, par contre. Je suis pas un peu bas, là? Hein? Objet non, trophée. Non, faut vraiment ramasser des trucs. Non, mais je m'en fous, moi, je fais pas. Moi, je m'en fiche des trophées. Moi, je veux pas. Bon, c'est bon, ils ont pas vu leur collègue de Saïdaï. Ouh, hop, hop, hop. C'est vrai que c'est pas mal la vue à troisième personne. Non, mais vous avez rien vu, hein. Et c'est pas comme s'il y avait votre collègue qui était séché à terre. C'est pas comme si. Bon, on va quand même se récupérer. C'est vraisemblablement ça les. Ils ne voient rien. En même temps, là, oui, effectivement, ils le voyaient pas. Donc, ils étaient très bien. Ouais, tiens. C'est vrai que. Ce Frostbite, quand même. Il est bien. Il est bien, il est beau, il est efficace. Et je baisserai peut-être le. Les framerates de la vidéo à 30 fps. Plus tard, je sais pas, je verrai. Selon si j'arrive à faire tourner le game ou pas correctement. En plus de la vidéo. Zigouli, zig. On a presque plus de temps. Moi, je me suis fait engueuler. Zug. Sa-da-da-di-da-da. Choto. Ok, bonjour. J'ai atteint le centre de communication. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Bien reçu. Supprimer le message, d'accord. On supprime. Mais c'est quoi ce message? Je sais pas. On est qui? Pourquoi? Pirata. Je suis super intéressé pour le scénar. Pourquoi? Sur la dernière fois, ne me dérangez pas. Ce chiffrage impérial est très complexe. J'essaie de le décrypter. Mais si je dois tout le temps m'interrompre, je risque pas d'y arriver. J'ai besoin de silence, compris? Oh, oh. D'accord. J'ai localisé le message crypté. Voici le silence. Bon, allez, mettons ce face peut-être. On est content. Selon des nouvelles heures, la flotte impériale ira se positionner de l'autre côté d'Endor. Là, nous attendrons l'attaque rebelle. Puis... Purge terminée. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. Alerte, alerte. Prisonnière impériale s'est échappée. Elle est extrêmement dangereuse. Trouvez-la. Agent Ask. Allez, c'est le moment. Commencement des préparations. Je prends un blaster et je me rends au point d'extraction. Comment je galère? Je suis en route. Le Corvus y sera. Bon, je suis pas Dark Vador, mais quand même. Faudrait pas trop me prendre pour un idiot. Attention, ça va chier. Ok, la barre de vie remonte. Oh, le calamar. Oh, ça fait peur. Oh, si, ça fait peur, les calamars. Moi, j'ai peur des calamars. Peur chelou. Mais du coup, on s'est réellement fait capturer comme un bolos ou on a fait exprès de se faire capturer pour supprimer ce message? Ou alors, c'est parce qu'on s'est fait capturer qu'ils ont eu ce message? Oh, bah alors, toi. Oh, bah non. Oh, bah tant pis, hein. Bah du coup, ce pouvoir, je veux jamais l'utiliser parce que ça nous spot les ennemis. Ok. Aïe. Ouais, bon, bah, allez, ouais. Bah, moi, je me casse, hein. Ok, on peut pas recharger, à proprement parler. Ouh là 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 là, j'avais pas vu ça moi. Je joue, putain. Tirez sur les panneaux de commande pour ouvrir ou fermer les portes. Voilà, merci, au revoir. D'accord, très bien. Ouh. Je suppose. Je suis pas certain. Ah, d'accord. Attends, bouge pas. Non, je suis... Oh, mais non, mais... J'étais trop pas là, quoi.
Comment on se relève? X. Mais pourquoi ils ont mis... Ah, c'est pas pratique, X. J'aime pas ça. J'aime pas ça, parce que bon... X, c'est... bon... Qu'est-ce... Pourquoi je passe... Pourquoi je vais là? Je sais pas. Bon, en fait, pas tant besoin que ça de viser des têtes. Hein. Je me dis qu'il y aura peut-être des mecs. On va se calmer. On va y aller bourre. Hein. Bon, si ça explose quand même. Ok. Et quand même les barils rouges. Pensons à Red Barrel. Le youtubeur. Fort sympathique. Allez donc le voir. Attends, c'est sa chaîne qui s'appelle Red Barrel ou c'est le type de vidéo qu'il fait? Je me rappelle plus. Je crois que c'est Pseudo Useless qui fait l'émission. Enfin, l'émission. Ouais, on va appeler ça une émission. Red Barrel qui est fort sympathique. Que je recommande à tout le monde. À tout gamer. Qui se respecte. Oh là là, mais. Mais. Quoi, comme ça, je suis mauvais. Qui a dit ça? Franchement, ça se fait trop pas. Je vous permets pas, je suis super doué. C'est pour ça que je suis obligé de regarder mon clavier pour trouver les touches. Ouais, vache. Je déteste quand ça me fait ça. Oh là là, oh là là. Non mais attendez, monsieur. Moi, c'est à dire que j'avais pas joué depuis un moment. Je peux passer dessous là? Non? Oh là 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 là! Tu te calmes toi, tu te calmes! Tu te détends tellement! Je veux pas savoir! Ah, on peut quand même leur caler des bons gros headshots! Le bon gros headshot des familles! Bien compris, commandant! Le nettoyeur! Arrivederci. Eh ben, bah là on est mort. Sur le pont. Repos. Mission accomplie, commandant. Mais sans aucune perte. Vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Je peux attendre. Agent Miko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Battlefront 2. Jean, un peu plus tard, sur une autre planète, lointaine, très lointaine. Ouais, bon, ok, ça va être bon noir. Ah, ma dieu. Passez-moi l'escouade Inferno, maintenant. Ah oui, d'accord. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de boucliers de l'étoile de la mort? C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va.
Je me pose une question. Ah, si, je suis saccadé. Je suis saccadé. Enfin, moi, sur mon retour, je suis hyper saccadé. Je pense que je vais couper là. Ça va me permettre d'aller regarder à quel point c'est pété, le truc. Et peut-être régler la vidéo à 30 fps, parce que si vous avez des baisses, des montées et des baisses de fps en pleine vidéo, c'est trop chiant. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire des petits réglages. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Pour la suite. De la prochaine fois. C'est après, du coup, c'est la suite.